Poirier, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre commune, voisine de Fessenheim. C'est un honneur immense de nous avoir choisi pour officialiser votre parfaite union. Se marier, ce n'est pas accomplir une simple démarche administrative. Signer un bout de papier, non, c'est prendre l'engagement public devant témoins de construire ensemble un avenir radieux en connaissance de cause. Vous allez fusionner vos deux cœurs pour former un foyer rayonnant et libérer ainsi énormément d'énergie sur le bien de toute la famille et même au-delà. Les modes de vie ont évolué, les esprits se sont ouverts et il n'est plus nécessaire de s'aimer pour se marier et pour vivre profitablement ensemble. Il suffit que l'un se soumette et pense au bien de l'autre. C'est le sens des articles du Code servile dont je vais à présent vous donner lecture. Écoutez-les bien. Ils sont le socle de l'engagement que vous prenez. Ils définissent les droits et les devoirs que vous vous reconnaissez l'un envers l'autre. Votre famille et vos amis venus nombreux pour entourer à cette occasion en seront les témoins. Conformément au code servile, je vais vous rappeler les droits et les devoirs de chaque époux. Premièrement, les époux se doivent mutuellement fidélité, assistance et couverture. Deuxièmement, le mari accepte notamment les vices apparents et cachés de l'épouse. Troisièmement, les époux assurent ensemble la direction technique de la famille nucléaire. Ils pourvoient au fonctionnement de leurs enfants dans leur parc en dépit de leurs défauts, anomalies, et préparent leur avenir coûte que coûte, malgré les risques inhérents à l'installation familiale. Je vais maintenant recueillir votre consentement. C'est le moment le plus solennel. Mademoiselle EDF, êtes-vous venue librement et consentez-vous sans contrainte à prendre pour époux monsieur ASM, gendarme du nucléaire, ici présent? Oui! Monsieur ASM, gendarme du nucléaire, êtes-vous venu librement et consentez-vous sans contrainte à prendre pour épouse mademoiselle EDF ici présente? Hein? En plus, il est sourd! J'ai entendu le oui! À nous! Au nom de la loi, je déclare monsieur Hessen et mademoiselle EDF unis par le mariage! Vous pouvez vous embrasser! Oh. Il ne faut pas que s'embrasser. Lâchez. Ça fait un moment qu'il fricote. Mais l'étouffe. Vas-y, retourne sa veste. Ah!
N. A. Agence. S. De sauvetage. N. Agence de sauvetage du nucléaire. Ah, voilà la vérité. Bon, j'en appelle maintenant au témoin pour la signature. Témoin de la mariée. Maintenant, témoin du nucléaire, ASN. Témoin du marié, ASN. Pas de témoin. Bon. C'est pas la première fois. On torse au règlement. On ferme les yeux. Allez, on valide. Cadeau. Donc pour la remise des cadeaux, je vais faire un appel. C'était une corbeille de mariage. En fait, il y a une dizaine de cadeaux, mais il pourrait y en avoir bien plus, tellement il y a de matière. Donc le premier cadeau, c'est une boîte à outils. Donc c'était une boîte à outils pour rafistolage de Fessenheim. Il faut savoir que la même a été offerte à Nicolas Sarkozy quand il est venu à la centrale. Le deuxième cadeau, c'est un paquet de préservatifs. Comme la consanguinité fait rarement de beaux bébés, évitez d'en faire. Voilà un cadeau à trouver. Un paquet de rustines. Le matage de la répétition. La comptabilité pour les nuls. Ça, c'est un ouvrage très important. Ça, c'est pour qu'ils évitent de confondre, comme vous le savez, le chiffre d'affaires et le bénéfice. Une boîte de pastilles d'iode. Ça a été présenté au dernier PPI, donc la réunion à Fessenheim, comme étant le remède miracle en cas de pépin à Fessenheim. Moi j'ai posé la question, mais je n'ai pas eu de réponse. Ça ne protège absolument pas de la dizaine d'autres radionucléides qui se dégagent en tant que... S'il y a un pépin, en particulier le plutonium et une dizaine d'autres radionucléides mortels. Un fût de déchets radioactifs. Un cadeau conséquent et presque éternel. Un panier d'œufs de Tchernobyl. Donc, petite précision pour les mariés, à ne jamais consommer. Une cuve de PR. Dès sa fabrication, ce fut une catastrophe, en plus avec des certificats de conformité falsifiés, et ça met direct à la poubelle. On a aussi un couvercle de PR.
qui mérite le même sort direct à la poubelle. Après, il nous reste le Wergenos à Fukushima. Soi-disant, votre excellence et votre savoir-faire doivent pouvoir régler les problèmes qu'ils rencontrent à Fukushima, pardon. Et vous devriez résoudre ça en deux coups de cuillère à peau et les doigts dans le nez avec votre savoir-faire. Et un petit cadeau surprise pour quelqu'un qui pense à notre avenir à tous. Et il n'est certainement pas dans le nucléaire. Et moi, je vais vous dire d'oublier le passé, d'oublier vos ex, oubliez Nicolas, oubliez les François, oubliez Monsieur Schneider, il nous a bien eu celui-là. Et maintenant que vous êtes dans la merde, eh ben, j'ai une... avec de la merde, on peut faire de l'électricité. Donc vous, vous y êtes bien, faites-en de l'électricité. Pour notre avenir et pour le monde. Maintenant, c'est le petit départ pour le voyage de noces. Pas devant moi.